Je suis très content, Monsieur Chalvignac, de vous rencontrer. J'aimerais ça au début que vous nous parliez de vous. Vous êtes né en France et vous avez fait également les Beaux-Arts à Paris. Parlez-nous un peu de cette période. Oh, mais c'est une période assez compliquée. C'était surtout la guerre. Et la guerre, ça a été 5 à 6 ans. Où la France était dans un dénuement complet. Et les familles étaient séparées. Ma mère était institutrice dans le nord de la France, qui était à cette époque-là occupée par les Allemands, après la défaite de 1939. Et moi, j'étais parti chez mes grands-parents, qui étaient pharmaciens, dans le sud de la France. Et entre les deux, il y avait une ligne qu'on appelait la ligne de démarcation, jusqu'en 1943. Et alors, à l'époque, c'était compliqué. Mon père était prisonnier de guerre et il s'était évadé. Et donc, évadé, il n'avait aucun papier pour justifier son état. Et il a donc passé la guerre dans la clandestinité, des maquis, des choses comme ça. Et ma mère est institutrice, donc employée dans le nord de la France, et elle est restée là. Et moi, j'étais chez mes grands-parents, donc j'avais à l'époque 11-12 ans, au début de la guerre. Et c'était une période perturbée, et moi-même j'étais perturbé, donc on m'a mis dans un... Comme j'étais mis à la porte du lycée, à 12 ou 13 ans, je faisais des bêtises. J'étais dissipé ou j'en sais rien. Et ils m'ont rentré dans un mouvement de jeunesse qui s'appelait les Compagnons de France, qui était un mouvement fait par le maréchal Pétain. C'était pas que j'ai adhéré à ça, hein, mais c'était un truc disciplinaire un peu. Et alors donc, je suis rentré dans ce mouvement de jeunesse, et ce mouvement de jeunesse, c'était un peu... paramilitaire. Les gens qui nous commandaient, qui s'occupaient de la discipline et tout ça, étaient des soldats de l'armée française, et qui était camouflé dans ça, puisqu'il n'y avait plus l'armée française. Je suis sorti de ce mouvement, j'avais 16 ans, on m'a mis je suis rentré dans une entreprise qui s'occupait des monuments historiques, la réfection des monuments historiques, dans le sud de la France, toujours pendant la guerre, on est en 1944. C'est-à-dire 3-4 mois avant le débarquement des Américains. Je suis affecté dans une petite ville du sud de la France qui s'appelle Figeac. Et je travaille à la reconstitution de la taille de pierre d'un édifice qui s'appelait l'Hôtel de la Monnaie, qui datait de la Renaissance. À ce moment-là, il y avait des déplacements de troupes en France, des déplacements de troupes allemandes, et qui s'attaquaient notamment au maquis. Le maquis, vous savez ce que c'était? C'était la résistance. Et dans notre région, il y avait beaucoup de résistants. Et des Allemands sont arrivés un jour, la division d'Asreich, qui a fait beaucoup de dégâts parce que ils se dirigeaient vers la Normandie. Et à leur passage, ils nous ont... Tous les hommes de 16 à 60 ans étaient ramassés, envoyés en Allemagne. Et là, en Allemagne, on pouvait soit travailler dans des usines, soit être... Et moi, on m'a envoyé sur le front russe. Sur le front russe qui n'était plus en Russie à ce moment-là. Les Russes étaient déjà avancés jusqu'aux frontières à peu près de la Pologne actuelle. Et nous étions en Silésie, pas en Sibérie, en Silésie.
Et on creusait des trous la nuit entre les tranchées allemandes, c'était en montagne, et les tranchées russes, pour que des Allemands aillent avec rentrer dans les trous pour dans la journée tirer sur les chars russes avec une arme qu'on appelait Panzerfaust et que les Américains appellent les trucs anti-tank, vous savez. Okay. Et j'ai été délivré en 1945 par l'armée russe, mais qui marchait, qui avançait, qui était déjà rendu à Berlin. Hein, je veux dire, moi j'ai été enfin libéré après la mort d'Hitler, après que l'armistice et tout ça. Et quand je suis arrivé en France, c'était 1945, et je ne savais pas trop où aller. Et c'est une tante à moi qui habitait Paris, qui m'a récupéré quand je suis rentré d'Allemagne à Paris, évidemment, on arrivait tous à Paris par le train. Et comme j'avais fait un peu de sculpture sur pierre, eh bien, elle connaissait quelqu'un qui était aux Beaux-Arts, qui était professeur aux Beaux-Arts, et par son intermédiaire, j'ai passé des examens, enfin, c'est des détails, mais je me suis retrouvé à l'école des Beaux-Arts, où j'ai passé 7 ans. Puis, après vos Beaux-Arts, lorsque vous étiez à Paris, est-ce que vous avez travaillé comme céramiste, comme sculpteur? Est-ce que vous aviez un atelier? Non, est-ce que vous aviez une production? Oui, un peu tout ça. C'est-à-dire que quand je suis sorti, on n'en sort jamais, on peut rester 15 ans aux Beaux-Arts. Mais j'avais eu une commande d'un architecte de la ville de Paris, un des architectes de la ville de Paris, et pour un monument à la mémoire de Jean Giraudoux. Ça, c'était précisons Beaux-Arts, à peu près, vous voyez, pour vous donner l'époque. Et ça, c'était dans le centre-sud de la France, dans un groupe de bâtiments pour des nouveaux appartements. Il y avait une cour intérieure et c'était le pays de naissance de Jean Giraudoux, à Bellac, l'écrivain Jean Giraudoux. Et j'ai eu cette commande, donc c'était une sculpture à peu près de 2 mètres de haut sur la façade des bâtiments. Et à la même époque, j'ai rencontré une personne qui faisait beaucoup de céramique et ça, je m'y suis un peu intéressé. Et comme j'avais pas... À cette époque-là, c'était très dur en France, hein, 5-6 ans après la guerre, 7 ans après la guerre. J'ai pensé qu'avec la céramique, peut-être, je pourrais aussi faire quelque chose. Et j'avais un petit local, je venais de me marier, j'habitais chez ma belle-mère qui avait une petite maison, et il y avait un petit local dans le garage en bas, et j'ai commencé à faire de la céramique comme ça. Le genre de céramique qui était produite à cette époque-là, est-ce que c'était des vases, des cendriers? Qu'est-ce qui était à la mode là, en Europe à cette époque-là? En France, je ne me suis pas trop intéressé à cette époque-là. On ne s'intéressait pas à l'histoire générale, les céramistes ou des trucs comme ça. Mais maintenant, je sais qu'il existait à l'époque une industrie de céramique assez importante, puisque sur la Côte d'Azur, il y a un village qui existe toujours, et un gros village, un village important, qui s'appelle Valoris, où il y a des centaines de céramistes. Et on fait son marché comme ça, dans les rues, et les touristes, encore aujourd'hui, mais ça existait déjà tout de suite après la guerre, puisque en 1960, c'est là que Picasso a fait toutes ses poteries, a pu se permettre de faire ses poteries
et toute sa production de céramique. Mais il y avait une céramique très commerciale, là, alors il y avait un peu de tout. Vous êtes arrivé au Québec en 1957. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a incité à quitter la France et de venir demeurer ici au Québec? Souvent c'est banal, hein. C'était très difficile, mais j'habitais chez ma belle-mère, ma femme était dessinatrice de mode dans une usine de vêtements, et elle gagnait très très bien sa vie, et moi j'aidais un peu le pauvre. Et j'avais une petite auto, une petite 4 chevaux de l'époque, mais c'était ma belle-mère qui l'avait payée, tout ça, donc ça m'énervait un peu, et je voyais que j'avais pas beaucoup de possibilités. Et j'ai une cousine germaine de ma femme qui s'est mariée et qui ils sont venus au Canada, au Québec. Et en fait, c'est que je les connaissais bien et on correspondait et je me suis dit pourquoi pas au Québec. Vous êtes arrivé au Québec en 1957. Oui. Vous avez démarré tout de suite, je crois, une petite industrie. Non, pas tout de suite. Je suis rentré dans un établissement qui s'appelait Guardeau. À l'époque, ils se construisaient une église par mois, à peu près, à Montréal. Et la religion, les magasins de statues religieuses, de choses comme ça, il y en avait plusieurs. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y en a peut-être un, mais ça m'étonnerait. Et ce monsieur Guardeau, c'était un Italien qui était là depuis avant la guerre. Moi, j'avais 30 ans quand je suis arrivé, et lui devait avoir 65 ans à l'époque. Il faisait des statues religieuses, mais très, très, très classiques, très... dans le style de l'Italie, quoi. J'ai pensé que je pouvais peut-être faire quelque chose au niveau de la céramique, parce que j'ai rencontré un céramiste à l'époque qui est plus connu comme écrivain, Claude Jasmin. Et à l'époque, je ne sais pas s'il n'était pas professeur aux Beaux-Arts ou quelque chose comme ça, ou à l'école du meuble. En tout cas, j'ai été 2-3 fois chez lui et il m'a incité à faire de la céramique. Je me demande si j'ai même pas racheté son four pour commencer. Vous savez, ça fait longtemps. Hein. Ça fait combien maintenant? Ça fait plus de 50 ans. Lorsque vous avez fonder votre propre entreprise. Vous êtes arrivé d'Europe avec une fortune personnelle? Non, j'avais même pas l'argent du retour. Parce que si j'avais eu l'argent du retour, je sais pas si je serais pas reparti, tellement j'avais froid. Je suis arrivé un 15 janvier ici. Et puis c'était un hiver très très froid, alors j'ai été très 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 surpris. Non, j'avais pas l'argent du retour. Alors, j'ai loué donc un sous-sol dans une maison privée sur la rue La Jeunesse, à côté de la rue La Jeunesse. Et j'ai commencé à faire... j'avais un tout petit four. Et j'ai commencé comme ça à faire des cendriers, Mais ça s'est développé très très vite parce que je pense qu'en 3 ans, j'ai déménagé 3 fois ou 4 fois. Thank you.
cette usine de Montréal-Nord, vous aviez plusieurs employés à ce moment-là, oui, dans le gros de la production. Jusqu'à 30, je pense, jusqu'à 30, 35. Quelle était votre fonction à ce moment-là? Est-ce que, parce qu'on retrouve sur le marché beaucoup de lampes, de cendriers, de plats décoratifs, d'assiettes décoratives, signées Chalvignac. Qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que c'est vous qui dessiniez ces Oui, je faisais les modèles. Vous faisiez tous les modèles? Tous les modèles, oui. Okay. Et puis je m'occupais de la commercialisation. Au début, après, j'avais des représentants. Tout était organisé, mais au début, il fallait bien s'occuper de tout ça. Mais c'était tout nouveau pour moi, toutes ces choses-là. Vous avez travaillé avec Jordi Bonnet? Je n'ai pas travaillé avec, c'était plutôt comme un ami. Et comme il ne pouvait pas trop manipuler la terre, et il me demandait des formes de vases, et je lui cuisais des biscuits de vases, et dessus faisait. C'est d'ailleurs les plus belles pièces qui ont dû être faites à Montréal. J'en ai connu plusieurs, il n'en faisait pas beaucoup, hein. Mais c'est certainement l'homme le plus talentueux que j'ai rencontré dans ma vie. Oui, Jordi Bonnet. Ah oui. C'est dans tous les domaines. C'est notre Picasso. C'était un sculpteur, surtout. Voilà. C'est un sculpteur, un peintre. Il était vraiment. C'était un produit de la Catalogne, comme Miro, comme. Il venait d'Espagne, je crois, monsieur. Oui, de la Catalogne. C'est un pays d'où sont sortis tellement de peintres, Picasso, Miro, Dali, la Catalogne, tout ça. Puis, à un moment donné, bien, vous avez pris votre retraite, vous avez vendu votre entreprise, qui s'appelait Chalvignac Exclusive, je crois. Chalvignac Céramique Exclusive, c'était des noms assez... Ben, parce que c'était, on m'avait demandé au début, et c'était resté, c'était pas important après tout. Mais oui, à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte, parce que je voyageais beaucoup. J'allais en France, j'allais en Italie, j'allais en Espagne. J'allais pas en Chine, parce que j'aurais eu peur, là, dans ce sens que les Chinois à l'époque devaient sortir. Vendre leur vase moins cher que la terre du vase me coûtait à moi. Mais en tout cas, j'ai vite compris que ça allait pas pouvoir continuer. Donc, j'avais une solution, c'était rapetisser l'industrie et ne produire que du mieux, du meilleur, choisir dans les magasins les mieux et pas essayer de faire un chiffre d'affaires énorme. Mais j'avais déjà des gens autour de moi qui pensaient autre chose et qui avaient eu l'habitude que, à l'époque, on faisait plus de 2 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'était avant 80, et j'ai compris que c'était fini là, ça allait être très dur. Vous avez vendu à une entreprise qui s'appelait Lampe Chalvignac? Non, j'ai vendu à mon contremaître de l'époque. À qui j'avais donné beaucoup de parts, parce que quand j'ai fait, à 40 ans, j'ai eu un infarctus très grave. Je faisais beaucoup de sport, je faisais beaucoup de choses en tout cas. Et en 41, en revenant d'Europe,
je suis tombé dans mon atelier et j'ai fait un infarctus. Et je suis resté un mois en unité coronarienne et deux mois en tout à l'hôpital, deux mois et demi, hôpital Fleury, que je vois toujours, parce que vous la voyez là, je vis devant. Et ça m'a obligé, à l'époque, ils traitaient différemment aujourd'hui. Pendant six mois, j'étais complètement arrêté. Donc, il fallait qu'indirectement, je m'occupe de l'usine et j'ai donné beaucoup plus de latitude à mon contremaître, qui était M. Liva, qui a pris la succession, en fait. Il a trouvé des capitaux et j'y ai vendu à lui. J'y ai vendu. Si je dessinais aujourd'hui, je dessinerais beaucoup plus d'une toute autre façon. Hein. Ah oui. C'est chaque époque vous entraîne à faire des choses. Aujourd'hui, je serais beaucoup plus simple et plutôt dans l'esprit de. Sur le marché. Au Québec, on en retrouve des centaines. Ah oui, ça c'était des... Et beaucoup sur pied, hein, aussi. Beaucoup sur pied. C'est une production de quelle année, ça? Est-ce que c'est au début des années 70? Oh oui, même 60... disons 65, à partir de 65. Oui. Beaucoup. Merci beaucoup, M. Chalvignac. Ce fut pour moi un grand plaisir de vous rencontrer. Fait que merci pour votre grande générosité. Merci beaucoup. C'est le plaisir pour moi.